Bonjour mes chers élèves, ça va? Aujourd'hui, on découvrira une nouvelle leçon de grammaire. Il s'agit des noms. Il existe deux formes de noms, nos communs et nos propres. Tout d'abord, on va commencer avec le nom commun. Comme on voit devant nous, le nom commun, c'est un mot. Il peut s'agir d'un animal, une personne, une chose. On prend un exemple. La maîtresse, c'est une quoi? Une personne. Le chien, c'est un animal. Le livre, c'est une chose. Cette ville, c'est un lieu. Alors, ce sont des noms communs. On va découvrir maintenant le nom propre. Le nom propre désigne un animal, une personne, un lieu, une chose en particulier. La distinction entre nos propres et nos communs, c'est que le nom propre prend toujours une majuscule. Comme on voit devant nous, nos propres prend une majuscule et c'est un prénom. Exemple: Sophie, Paris, Japon, Fox, Allemagne. Alors, ce sont des noms propres, commencent avec une majuscule. Sophie mange la pomme. Sophie, c'est quoi? C'est une personne. Et Sophie, c'est le pronom. Alors, c'est un nom propre et commence par S, majuscule. Fox, le chien de ma grand-mère. Fox, c'est quoi? C'est le nom du chien. C'est un nom propre. Je pars pendant les vacances à Madrid, en Espagne. Madrid et Espagne sont des noms de pays. Alors, c'est un nom propre et commence avec une majuscule. Merci pour votre attention et à bientôt dans une autre vidéo.